Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Air Télévision pour ce numéro de Point Commun. Vous le savez, un voyage où l'on dialogue, on échange et souvent on se rend compte que les histoires, les anecdotes ou encore les textes et les analyses se croisent et se ressemblent au sein de ces trois grandes religions monothéistes, l'islam, le christianisme, le judaïsme. On en parle dans quelques instants avec nos invités. J'ai 1433 ans, moi 2012 ans, donc c'est un dessin qui date de 2012, et moi 5772 ans. À nos âges, on devrait peut-être arrêter de se disputer. C'est vrai que la révélation, les révélations ont l'air d'être de l'ordre du passé. Il est temps qu'elles soient de l'ordre du présent. Ce sans quoi l'homme ne pourrait pas vivre, c'est justement ce qui n'a pas besoin de mots pour être vécu. Alors je me dis, ben voilà, au cœur de cette expérience de la souffrance, j'ai peut-être cette possibilité de témoigner de vie, d'amour, de relation, de justice, et à moi ben, de prendre sur moi pour me dire, ben, cette épreuve est là, mais elle me fera grandir. Si les hommes se donnaient les raisons de l'amour, il se passerait de justice. C'est très difficile de conclure après c'est ça. Hein. C'est tellement beau. Merci d'être fidèle à Air Télévision et on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Point Commun. Bonne soirée à tous.